Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur l'antenne. Je m'appelle Alexandre Savanelli, je suis musicien et acteur de formation. Jusqu'à récemment, j'avais une intense carrière d'acteur ici en Belgique, en France et en Allemagne. Depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler avec mes collègues de communication de la communauté SkyWorld et nous faisons de notre milieu pour populariser cette technologie ici en Belgique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis début de mois d'août, nous utilisons la nouvelle application, comme vous voyez ici, du cabinet pour notre webinaire, et c'est qu'il y a quelques difficultés techniques. Je tiens à m'excuser par avance s'il y a des divergences techniques. Donc, je voudrais commencer notre webinaire d'aujourd'hui par, comme d'habitude, avec la présentation de Unitsky String Technology, mais une grande nouvelle pour notre entreprise. Nous avions souvent parlé à nos collègues que parfois, il est mieux voir une fois qu'entendre 100 fois, comme le dit le proverbe russe. Oui, cette dernière semaine, notre entreprise a été régulièrement diffusée à la télévision, dans la presse, dans le monde entier. Le service de marketing du développeur de technique, la corde, continuait à maîtriser un nouveau moyen de promouvoir notre projet sur l'Internet. Après les quiz, nous avons assisté à une sorte de hit parade de nouvelles du mois dernier. Donc, nous avons identifié le message le plus populaire du monde, le CNN, d'un principal média. Média mondiaux a publié un article sur Unitsky String Technology avec le transport de ST. Les gens peuvent rendre dans les villes qui sont plus rapidement qu'avec n'importe quel transport terrestre. Cela présume que la technologie de transport du Sky est demandée dans le monde entier, que l'intéresse les gens, l'entreprise et les pays. En fait, cette technologie résout le principal problème de notre époque, celui-là, circulation dense et surtout la solution du SkyTransport sont beaucoup moins chères, plus sûres et plus économiques à mettre d'œuvre et la solution de transport traditionnel. Aussi, dans ce poste, j'ai essayé de rassembler quelques vidéos diversées d'agences de presse comme la CBS, comme NBC, Fox, ABC, NTV, Deutschland, France 2, etc. Donc, The Construction Week, c'est un magazine spécialisé d'innovation, le projet de construction dans les régions de Moyen-Orient, a publié un grand article sur notre projet. La publication est également apparue sur le canal de médias sociaux de la publication lors d'un entretien avec précédent des centres d'innovation UST, une entreprise de technologie à corde à charge. Et nous vous proposons une brève paraphrase de cette publication, dont l'original peut être consulté dans l'illustration jointe. La technologie à corde est principalement destinée aux pays où la croissance démographique crée une demande naturelle ou de transport. Ces régions sont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Inde et le Pakistan. Le centre UST est situé dans les Émirats arabes unis pour deux raisons principales. Il lui-même de rapprocher ses clients en Inde et Afrique. Cette région de développement de la technique prévoit de mettre d'œuvre des premiers projets commerciaux. Une station d'atterrissage a été construite pour la piste de 400 mètres de long déjà achevée. Actuellement, une structure de la voie plus longue, c'est environ 2,4 km en cours de construction, dont lancement est prévu en novembre de 2021. Parallèlement, les travaux sur les normes qui seront appliquées aux véhicules, guidés par le corps de bâton, leur plan. Comme l'Asie en activité qui prend du temps, la certification, la technologie, ça fait en coopération avec des sociétés telles que TUV et Bureau Veritas.
La technologie blockchain est activement déployée pour réduire le système de contrôle, la billetterie, la circulation, la surveillance et la sécurité d'un transport à corps. Deux autres modèles de matériel roulant seront bientôt livrés aux Émirats par des républiques de Biélorussie. Un unicont pour les transports et containers et unibus pour les passagers qui est actuellement en cours de production. À l'avenir, UST prévoit de rétablir ses propres installations de production et de stockage dans les Émirats. À cette fin, une formation pour futur personnel a été organisée aux Émirats Arabes Unis. Le rédacteur, un chef d'image des Matrix, Jurosen a déclaré à Sky News Australia que le système est déjà en place et fonctionne dans le cadre d'un test aux Émirats Unis en Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, regardez bien l'écran. Dans les quelques minutes, je vais traduire brièvement le sujet et nous poursuivrons notre webinaire. Donc, mesdames et messieurs, il déclare que le pod high-tech ressemble à l'intérieur d'un siège de classe d'affaires. Ils peuvent déplacer jusqu'à 150 km par heure. Et contrairement au téléphérique traditionnel, il n'y a pas qu'un seul qui déplace à faible vitesse. Il est possible d'avoir plusieurs machines. Donc, il y a 6 ans, en juillet 2015, la construction de plus importante de UST a commencé. Voici l'écotechnoparc à Marina Gorka. Auparavant, c'était le seul réservoir entièrement rempli de carburant diesel. Et maintenant, non seulement au centre en avant qui se situe à la place des arbres et des buissons, mais aussi de pousses et de jardins, et des allées et des bosques. Comme vous pouvez le voir, le mot prononcé par le fondateur et le concepteur général des Unitsky String Technology, M. Anatoly Unitsky, pendant la construction, a été entièrement confirmé. Souvenez-nous de ces mots. Notre projet s'appelle Eco Technopark et Eco passe la première au nom. C'est la restauration de l'environnement, le retour
à la vie d'un meilleur sol, de leur jardin amélioré, qui nous procureront une nourriture propre. Et les routes aériennes seront sûres. Elles ne ruleront pas et le sol ou les jardins. Elles ne tueront aucun objet vivant parce que nous vivons au-dessus du sol et n'attaquons pas la surface sur laquelle nous vivons. Alors, après tout, 6 ans, c'est assez ou pas assez pour construire l'éco-technoparc. Bien sûr, si vous vous souvenez des promesses de fonder de certains amis de notre projet qui souciant réellement que leur propre bien-être, je voudrais que les choses passent plus vite, mais en considérant le grandeur des tâches et les résultats obtenus en si peu dans les processus en mise en œuvre dans un projet mondial comme les futurs transports, nous, le système RSV et moi personnellement, il dit, disons avec la confiance que cela en fait que c'est 6 ans qu'est rien pour la, construire la chose pareille et on félicitons à tous avec le date important. Le 18 septembre 2021, la 4e conférence scientifique et technique internationale, l'industrialisation s'infusée d'espace, l'OTAN, problèmes, idées et les projets réunira des scientifiques et chercheurs de domaines d'ingénierie et écologie, et biologie, de social économie, le politique et le développement contribuent à le développement actif, l'espace longtemps. Elle aura lieu à Marina Gorka, c'est 60 km de Minsk, sur le territoire de Ecotechnoparc. Les ressources officielles du programme Ecomir, dont la mission est résoudre les problèmes environnementaux, sociaux, démographiques, l'humanitaire, autres problèmes globaux des humanités, et transférant dans l'espace à partir d'industries terrestres, présentant le risque pour l'environnement, ont publié sur l'information précisée sur la date et lieu des 4e conférences scientifiques et techniques internationales. L'organisateur sont Aero Engineering Technologies and String Technologies, partenaire scientifique, Université d'État de transport de Biélorusse. L'auteur, M. Anatoly Yunitsky, présentera des informations sur la technologie requise pour une solution complexe de problèmes écologiques de notre planète, la suivre le développement progressif de l'humanité. Des présentateurs représentants de Biélorusse, de Ukraine, le Russe, Russie, le Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la France et va participer à cet événement. Dans les médias du Moyen-Orient, notre projet semble être le sujet numéro 1. Le Gulf News a publié un article de M. Angel Tesorero, le journaliste principal de populaire de l'agence de presse, intitulé Sharjah, va être la première ville à introduire le module aérien à grande vitesse, qui est très développement qui, dans le système de transport des passagers et la frais en la chaîne des Émirats Arabes Unis. Dans une autre interview accordée à Gulf News, le directeur du parc recherche des technologies de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, a déclaré « Nous espérons les commercialiser des technologies et faire du Skyport dans le plus grand succès de la région. La société de transport Sky est testée actuellement des différents trains de passagers et la marchandise. Il ajoutait qu'il existe plusieurs options, un placement pour d'employer nouveau système de un système de transport surélevé dans le cadre d'un plan global visant de transformer Sharjah d'une ville durable et futuriste. Nous sommes tous conscients des problèmes des lieux et congestion et mobilité. Nous pensons que le projet USKY contribuera leur stratégie en mobilité de l'infrastructure de Sharjah et de l'ensemble des Émirats Arabes Unis, car les nécessités moins train et mais il est plus efficace. Les systèmes de transport de communauté Skyworld seront reliés au complexe de transport et infrastructures. L'industrie minière sera en mesure de développer le gisement le plus difficile
La technologie des communautés Skybolt permettra de construire la voie n'importe quel ordre et degré de complexe, même les voies transatlantiques. Le prix de notre des voies transatlantiques avec nos technologies sera comparable au coût de tunnel sur la Manche. En fait, le 6 juin, le journaliste de la publication anglophone The National, monsieur Andy Scott, pour deuxième fois visiter le centre expérimental de communauté Skybolt à Sharjah et préparer le matériel sur le développement du transport à grande vitesse dans les Émirats, basé sur le résultat de la visite. Il dit en particulier le complexe communal Skybolt a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier, mais surtout aux Émirats Arabes Unis, où opérant certains principaux développeurs. Le système de transport alternatif offre la sécurité, le confort et l'abordabilité. Le premier projet commercial sera disponible dans les Émirats en septembre 2023 et la construction devra commencer très bientôt. Le système surélevé a été conçu à Minsk par Anatoly Nitsky, un scientifique en membre de la Fédération russe cosmonautique, en version cargo sera capable de livrer le conteneur de 12 mètres en grande vitesse, ce qui permettrait de retirer le pod lourd, les points de réseau à cabine d'acier suspendus seront des centres résidentiels ou bureaux reliés par le fil d'acier aux hautes résistances. Les cabines se déplacent de manière indépendante plutôt que s'appuyer que le système de pouliers conventionnels en téléphérique qui est limité dans la vitesse à environ 15 km par heure. Selon la société, cette technologie permet de réaliser des déplacements interurbains à grande vitesse pour une fraction de coût des autres systèmes de transport réguliers, soit moins de $200 par mètre. La société dispose à 600 ingénieurs qui exploitent le site de Sey à Biélorussie dans un écotechnoparc de Marina Gorka où 5 autres pistes de 800 mètres sont en service. Une piste d'essai plus longue à Sharjah atteindra sur 2,4 km avec 8 structures de support servant d'ancrage à chaque extrémité. Le coût de construction dépend participant la parcelle des terrains du trafic potentiel et passagers sur le réseau terminé. Monsieur Andy Scott a déclaré qu'une ligne de passagers sera probablement construite avec un service de fret. Cela nous donne davantage pour concurrer de les autres systèmes de transport car il sera plus viable financièrement. Les Émirats Arabes Unis sont notre base. C'est le pays plus prometteur pour notre technologie. Nous avons beaucoup de soutien dans Sharjah. Il ne s'agit pas seulement d'un système de transport, mais d'une solution écologique d'un monde déjà encombré par le trafic. L'empreinte carbone des nacelles est également inférieure à celle des voyages de ferroviaire ordinaires. C'est les bâtières électriques des secours étant partiellement alimentées par les énergies renouvelables. Des études de faisabilité sur le coût de transport des marchandises de longue ou de réseau ont estimé en 1 $ par 100 tonnes pour chaque kilomètre parcouru. Également, le 20 avril, le chef de région, le directeur général du parc Recherche et technologie de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, a organisé la première webinaire international au cours de laquelle il a annoncé la technologie de transport des corps de Yunitsky. Il dit en particulier, voici les quelques exemples de technologies brillantes que nous avons développées ici à Sharjah. Nous sommes très fiers d'avoir de plus grands centres d'innovation et en matière de transport et de logistique au monde. Nous sommes chargés de développeurs de techniques de nouvelle génération qui seront premiers dans cette région et feront partie intégrante de la solution de la mobilité de Moyen-Orient. Nous sommes également fiers d'avoir réalisé d'investissements
importants de développement technologique. Nous pensons que le Moyen-Orient a absolument besoin de développeurs de ce type de technologie et nous travaillons de main en main avec le secteur privé, les entrepreneurs et la université. Nous sommes également très fiers du parc de recherche de technologie de Sharjah qui accueille de plus grands laboratoires d'innovation des Émirats. Grâce à notre partenaire de Unity String Technology, nous avons construit l'Eco House qui est l'un des principaux partenaires et nous travaillons avec eux dans quatre domaines principaux. La commercialisation, le développement de la science d'emploi et l'échange des laboratoires. Nous pensons que pour avoir de nouvelles innovations, nous devons développer le capital humain et développer un lien fort avec le monde universitaire et institutions académiques. Tous les avantages se répercutent sur l'environnement. Avec une moyenne de 30% d'énergie gaspillée dans les bâtiments commerciaux, la mise en œuvre de l'informatique dans le bâtiment permet d'optimiser l'utilisation d'énergie, d'éliminer le gaspillage, de réduire l'émission et réaliser des économies sur les coûts opérationnels de futures technologies de transport, comme par exemple Unity String Technology. Suivant Alexei Savin, directeur de SARL Le Plant, c'est une société qui fabrique des équipements pour Unity String Technology, a déclaré dans l'interview, nous essayons d'équiper la production avec des équipements de pointe. Nous suivons la nouveauté mondiale et visitons l'exposition. Bien que certains pays aient été fermés et l'exposition a été annulée en raison des pandémies, nous essayons de suivre en ligne le progrès de la technologie et les équipements de traitement. Nous avons des compétences pour l'essoudage, le découpage des métaux, des coupes au laser, les travaux des métaux, les fabrications des pièces en plastique, un traitement électronique, la batterie, l'endoulor, le moulage des produits polymères. Il y a 600 d'usinages sur la production, dont il n'y a pas d'analogue en Biélorussie. En outre, nous avons trois imprimantes 3D sur lesquelles nous fabriquons partiellement les pièces pour intérieur et extérieur du transport. Le créateur de ce projet est un mot efficace et l'inventeur, Monsieur Anatoly Unitsky, il a fallu 40 ans de travail acharné pour créer cette technologie pour notre communauté. Au cours des trois dernières années, la communauté Skyboard a bénéficié de cette technologie. Il a construit la tronçon d'essai et itinéraire urbain et frais. C'est parce que Monsieur Unitsky a tourné vers le Moyen-Orient où la géographie de notre production est entendue. Auparavant, nous concevons le bloc et les composants séparément et quand nous assemblons, ils ne correspondent l'un à l'autre au terme forme et taille. Mais lorsque nous sommes passés de plateforme expérience 3D, le problème en était résolu car il est devenu possible de suivre le cycle en vie complète de la technologie qui esquisse comme d'esquisse, des signes de travail à la production. Actuellement, la plateforme Expérience 3D est le seul outil qui permet une telle approche. Le système de transport de Unity String Technology prévoit la mesure suivante pour prévenir l'éliminer de l'accident. Par exemple, l'utilisation de matériaux non combustibles dans les modules de passagers, la disponibilité d'une ventilation d'urgence et de sorties de secours. Un élément important de la sécurité des systèmes UST est constitué par les solutions d'ingénierie qui contribuent à augmenter la sécurité de transport et mouvement. Ces solutions sont notamment le suivant, le système anti-déraillement qui compose les trois sous-systèmes et qui dupliquent mutuellement. Ces duplications permettent de réduire le risque d'accident si le sous-système devient inopérant. Le système de freinage avec circuit primaire et circuit de secours et le circuit de secours fournir au moins de 50% de la force de freinage maximale du système de freinage de service.
Alors, mesdames et messieurs, maintenant, je voulais vous raconter comment fonctionne le transport à Corte de notre communauté. Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits en polycarbonate très léger, équipés d'un moteur électrique qui est ultra léger aussi. Ils utilisent les panneaux solaires, l'énergie éolienne, mais aussi électricité ordinaire pour fonctionner. Le mouvement est facilité par un fait de simple corde tendue, même sur le terrain très élevé et accidenté. On peut comparer cela à une corde de guitare qui est bien fixée. Des transports à corde, c'est un système révolutionnaire qui peut transporter un grand nombre de personnes ainsi que le cargaison de manière super efficace. C'est un transport très intéressant pour la logistique locale, mais aussi internationale. Je voudrais confirmer encore que cette technologie peut être mise en œuvre avec beaucoup de succès aussi, bien dans les régions des hautes montagnes comme la Suisse, comme l'Autriche, comme le sud de la France, par exemple, mais aussi dans la plaine comme Belgique et Hollande. L'innovation des communautés Skyworld réside dans la caractéristique de conception de structures des voies et du système de contrôle automatique basé sur l'intelligence artificielle. L'ensemble des solutions d'ingénierie à la société permettent de réduire le coût de construction et exploitation du système de transport de plus en tiers par rapport à un monorail conventionnel, la moitié par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins encore par rapport à une autoroute ordinaire. Cette technologie a un très grand potentiel. En fait, l'infrastructure de ville peut complètement transformer dans une structure urbaine droite. C'est plus un système très respectueux de l'environnement et permet de vivre dans une ville beaucoup plus propre que maintenant, grâce à la résistance des fils d'acier conçus par un ingénieur qualifié. Il n'y a question de mettre la vie des passagers en danger. Dans un système de contrôle d'intelligence spécialement conçu pour le véhicule, il n'y a jusqu'à présent aucun accident lors d'essais de conduite. Les véhicules sont très flexibles, ils peuvent se déplacer libéralement à toutes les circonstances, ils sont très résistants aux chaleurs, peuvent traverser de l'eau, des routes rocailleuses et ne provoquent jamais d'embouteillage. Tout cela parce que le véhicule se déplace en surface grâce à de la direction automatique, des éoliennes, des panneaux solaires sont utiles pour produire d'énergie. Le moteur électrique super efficace consomme une quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser une économie importante. Les avantages uniques du système de transport développé par Unity String Technology permettent l'utilisation intégrée et réalisation avancée dans les domaines des transports électriques à grande vitesse, respectueux de l'environnement, et plus d'avantages commerciaux qu'aux solutions d'ingénierie multicouche de la société dans la région, concentrant sur 3 points d'objectifs industriels. Premièrement, ils permettent d'accroître le flux de marchandises et des passagers dans les villes existantes sans interférer avec les infrastructures communautaires existantes. Deuxièmement, il permet de relier optimiser le flux de marchandises entre les chambres de production difficiles d'accès et le centre industriel, les plateformes de transport éloignées comme les aéroports, les centres logistiques, etc., sans construire des terminaux supplémentaires. Et troisièmement, la solution d'entreprise offre la liaison des transports écologiques sans pollution avec un minimum de bruit pour les régions ayant les exigences environnementales élevées ou l'impact industriel sur l'environnement est interdit ou limité. Maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous présenter notre modèle différent. On va commencer avec le véhicule à grande vitesse U4362 qui permet de transporter des passagers à des vitesses ayant jusqu'à 500 km par heure sur les passagers supérieurs étrillés. Il est entraîné par un moteur électrique de traction alimentaire par le circuit de contact,
vous parlez de dispositifs de stockage en une énergie embarquée. Il est utilisé dans le cadre le complexe de transport d'infrastructures pour assurer la liaison de transport sur les trajets interurbains et internationaux. Ces cabines comportent 6 sièges équipés d'un système d'avertissement pour les passagers. Les carrosseries comportent 2 compartiments séparés pour les bagages. Le véhicule qui s'appelle Unitrack U4-131, destiné au transport des marchandises et vrac, liquide dangereux, périssable à la pièce, il est entraîné par un moteur traction alimenté d'un circuit de contact au dispositif de stockage d'énergie embarquée. Le changement et le déchargement des Unitrack peuvent d'effectuer en mode automatique. Il est utilisé dans le cadre de complexes de transport infrastructure pour l'exploitation des installations industrielles dans le cadre des infrastructures de ports, systèmes de minières ainsi que les routes urbaines et suburbaines. L'autre modèle, ce qui s'appelle Unibus U4-210, avec équipement standard utilisé dans le complexe de transport infrastructure pour l'exploitation sur les routes urbaines et suburbaines. La capacité totale des véhicules est à 14 personnes dans les 2 sièges. Il est propulsé par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact d'un dispositif de stockage d'énergie embarquée. Un certain nombre de modifications a été développé sur la base de ce véhicule. Une nacelle unique de capacité accrue avec une cabine augmentée. Des véhicules composites basés sur le seul véhicule avec la possibilité de construire en train. Comme vous savez déjà très bien, Monsieur Nazolinski concentre son attention sur le Moyen-Orient, parce que le rythme que le parc d'innovation des technologies et des progressives de Sharjah se développe en une révolution technologique et nous sommes le leader là-bas. Maintenant, je voudrais vous présenter brièvement notre modèle tropical. Le développement du Unicar U4-431, la prise en compte des particuliers climatiques de Moyen-Orient. L'opération a été réalisée. Cette nouveauté s'est distingue par un double système de climatisation, de suspension hydraulique, un double système de refroidissement, un plus grand stockage d'énergie en bord, un système de refroidissement amélioré, ainsi qu'une cabine VIP similaire à celui de Mercedes, BMW par exemple. Grâce à la fiabilité ou l'autre performance, au large éventail d'options ainsi que la simplicité et la fiabilité de consommation des matériaux des structures de véhicules, différents modèles de notre communauté peuvent devenir une solution universelle au certain nombre de problèmes de transport, organisation de transport de marchandises et passagers dans les zones éloignées. Et maintenant, messieurs, dames, je voulais vous parler brièvement des réalisations de notre entreprise, différentes parties du monde. Nous commencerons par le Vietnam. Nous sommes heureux de vous annoncer que le membre du conseil d'administration de Skyway Technology, M. Vladimir Maslov et František Solár, sont revenus de voyage d'affaires de Vietnam. Ils sont rencontrés des représentants de nombreuses entreprises vietnamiennes et discuté au développement des UST dans le pays. Le membre du conseil d'administration a eu un entretien avec le représentant de société ThinkPad qui a envisagé de construire la piste des 3 km jusqu'à la pagode Loi Am. À la suite, la réunion, un accord a été signé pour créer la entreprise vietnamienne pour soutenir le développement de futurs projets en Vietnam et obtenir une autorisation pour les activités, l'investissement dans le secteur du transport. Une fois la préparation des avant-projets terminée, le projet sera transféré à UST pour travaux ultérieurs.
Donc, une réunion a eu lieu par le partenaire qui on a créé le centre d'innovation, qui fait partie d'une association vietnamienne travailleurs créatifs, association travaille avec étroite collaboration avec l'organisation scientifique Vusta, avec soutien des ministères des sciences et de la technologie. Cela signifie que le projet dispose de désormais d'un canal officiel pour diffuser l'information sur les technologies de la société EST. Les résultats des collaborations ont déjà été en numéro d'avril du magazine VLCA. Chers partenaires, je voulais vous présenter aussi Madame Olga Veronica. C'est une membre active du programme de partenariat de Skyway. Elle a récemment fait le travail incroyable pour attirer l'attention des projets à la société de République dominicaine. Olga a assisté à l'émission matinale Petit Déjeuner Musical sur chaîne TV Romana, l'émission Mujeres d'Hoy, ça s'appelle La femme d'aujourd'hui en français, et expliquer comment on peut soutenir le projet. En outre, notre représentante pu rencontrer la maire de la province de la Romana, le président du Conseil national sur le changement climatique de la République dominicaine. Olga a discuté avec un politicien de perspective d'introduction du transport Sky World Technology dans le pays. Olga Veronica a également organisé trois présentations hors ligne du projet Skyway sur la société dans le Saint-Dominique, c'est la capitale de la République dominicaine. Et le renforcement des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de cette année. La technologie a été officiellement présentée comme une potentielle pour la mise en œuvre du plan de développement de l'infrastructure de Dubaï. Une série de projets proposés par la ministre des Transports du pays avaient été approuvé par le chef de la région, Monsieur Mohamed Al-Mahmoudi. Le projet comprend le système de transport urbain d'une longueur totale de 15 km avec 21 stations qui peut être mise en œuvre grâce à notre technologie. Je voudrais souligner aussi que Son Altesse le Cheikh Sultan Bel Mohamed Al-Qassimi, membre de la Cour suprême fédérale de l'OAU, visitait le centre d'innovation de construction de Sharjah. Cet événement était largement repris par les médias aux Émirats. Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée sur la structure des voies, au ancrage, au support intermédiaire pour certaines charges et il est supposé que pendant leur fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être endommagés. Nous effectuons le test régulier à nos systèmes de transport, pas seulement à Ecotechnopark à Marina Gorka, à Biélorussie, mais aussi à Sharjah. C'est nécessaire pour déterminer la méthode de conception, élaborer une solution de conception, de définir certains dispositifs dans le matériel roulant. Ça signifie, messieurs, dames, que on peut utiliser dans les différents pays, dans différentes conditions climatiques, à des températures qui ont des moins 50 jusqu'à plus 60. Et maintenant, messieurs, dames, je voudrais parler avec deux blocages des canaux Suez qui ont mis la lumière en problème environnemental. La fermeture des canaux par lesquels transitant environ 30% du trafic mondial et conteneurs de 12% du commerce mondial pendant une semaine a entraîné de perdre l'environ 10 milliards de dollars par jour. Il est évident qu'un simple projet, l'enrichissement du canal, ne suffira pas. Aussi, les opérateurs du marché de la logistique, ils cherchent déjà une alternative au transport traditionnel par bateau via le canal Suez. Mais notre entreprise a été la première qui a proposé une telle solution de transport alternatif. Grâce à une solution aussi simple et innovante, le complexe de transport marchandises EST parallèle au canal Suez présente déjà au départ des caractéristiques plus avantageuses que le transport traditionnel. Ainsi, selon les estimations préliminaires, le coût du système de transport électrique
terrestre aux marchandises des Unit Skip Spinning Technology, construit de longs canaux de Suez sur une longueur de 160 mètres, sera en 10 millions de dollars par kilomètre, sans compter le matériel roulant et terminant de chargement et déchargement. Ça soit 5 fois moins cher que le coût du canal lui-même. Et le CompSec aura été capable de livrer une marchandise à vitesse de moyenne de 80 km par heure, soit 6 fois vite celle qui navire. Madame Nadiezhda Kozyreva, vous pouvez voir elle, sur la diapositive, directrice générale de STI, a déclaré que la situation du canal Suez a mis en évidence la nécessité de diversifier logistique et économie mondiale. Nous sommes heureux de contribuer à son renforcement grâce à nos solutions de transport innovantes. Comme vous savez, déjà très bien, notre technologie a été certifiée et protégée par le droit d'auteur dans les 180 pays au monde entier. C'est une réussite phénoménale. Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la mobilité urbaine et l'accessibilité de transport. Prenons par exemple Paris ou Bruxelles. Le trajet aller simple entre domicile et bureau peut prendre jusqu'à 2 heures avec l'embouteillage quotidien, mais avec l'aide de transport communautaire de SkyWorld, ce temps de trajet peut facilement être réduit de moitié. Pour le début de cette année, nous constatons une grande augmentation de la gamme des modèles. Les nouveaux unibus sont rassemblés sous la forme d'un train à 2 jusqu'à 10 cabines avec la capacité de 50 personnes maximum. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour conclure notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais un peu résumer quelle est notre philosophie sur la situation globale. La communauté SkyWorld offre une solution aux problèmes écologiques, socio-économiques liés à l'inefficacité de transport à notre époque. Il s'agit d'une solution globale pour développement des zones, comprend les zones inaccessibles comme telles les montagnes, le jungle, le fond marin, les taïgas, les déserts, etc. Qu'il apporte une solution aux problèmes urgents et humanitaires en matière d'approvisionnement énergétique, expansion des systèmes de transport, de sécurité et environnementale, de santé, ainsi que développement de nouvelles zones de développement urbain durable. Cette année, comme l'année prochaine, ça sera certainement des années de transition pour notre entreprise. Si on regarde sur l'événement des années passées, la situation totale n'est pas été facile pour nous tous. Il y a eu nombreux événements turbulents tels que la transmission du virus corona, lockdown et beaucoup plus partout dans l'Europe et partout dans le monde. Mais malgré tout cela, le monde qui s'oppose, nous sommes convaincus que notre technologie sera adoptée dans le monde entier dans un avenir proche. Il s'agit d'une solution de transport pour la génération future. Si vous avez des questions, veuillez référer aux ressources sur le site officiel. Je vous souhaite de surmonter toutes les difficultés, les chemins de victoire. Nous comptons sur le succès, la prospérité de la SkyWorld Technology avec ses avantages pour notre planète. Je vous remercie de fond du cœur pour vos intérêts sincères de notre technologie. J'espère que vous voir bientôt. Au revoir et merci.